Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannet de SJC Électronique à Saint-Sauveur. La même cliente que l'autre jour. Un autre calculatrice. Je cherchais au début, elle me parlait de mauvais contact, je cherchais au début qu'est-ce qu'elle avait. Puis là, j'ai essayé, puis je me suis rendu compte que le ON, puis CCE, il marche pas. T'as beau rentrer 45, tu pèses dessus, c'est supposé d'effacer, puis il n'y a rien. Ça fonctionne pas. Donc, c'est probablement juste un mauvais contact. On va aller voir ce qui se passe à l'intérieur de ça. Probablement nettoyer contact, faire en sorte qu'elle fonctionne correctement. Allons-y! C'est une calculatrice de la marque Maison, bureau en gros. Fait que probablement que c'est Canon qui feront ça pour eux autres. Parce que je regarde le numéro là. SPL-P100, ça ressemble à un numéro de Canon. Mais ça n'a pas été trop long. Lève-le la vis. Bon. On va aller voir le contact en arrière de ça. Une, deux, trois. Des contacts de carbone ordinaire. Je vais nettoyer tous les contacts comme on fait à l'habitude. J'utilise toujours du contact 2000 à Seiko pour nettoyer ça. C'est le mieux qui existe. En passant, n'allez pas prendre du déoxyde D5 pour nettoyer ça. Par expérience, ça peut te scraper une télécommande. Là. C'est trop fort. C'est pas fait pour ça. Ça, c'est vraiment le produit parfait pour ça. On met ça à sa place. Tiens, on va l'essayer. Je vais l'essayer tout de suite. Bon, mais finalement, un bon nettoyage. Hein? Je vais peut-être nettoyer ça ici, tout ici. Là. Mais là, si je m'en vais dans le thème, il affiche le thème. Mais là, je pèse sur CE, puis il revient, là. Si je fais 45, 0. Il commence à revenir. Là. D'après moi, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marché. Ça a l'air de vouloir tout repartir. Il revient, 0. Time. Tout est revenu comme il faut.
Des fois, quand on met le nettoyant, ça prend quelques minutes avant qu'il agisse, puis qu'il fasse réactiver toutes les. Qu'il enlève toutes les. Qu'est-ce qu'il y a le carbone d'accumulé. On met ça là. Tiens, je l'ai eu. Notre belle petite calculatrice fonctionne à nouveau. Merci. Bonne fin de journée.